qu'il faut rectifier. Bratanovic, deuxième chance pour lui, prend son temps. Et ça rentre aussi, efficace. Carte creuse, 15-24, c'est le premier écart vraiment dans cette rencontre. Il reste 27 secondes, difficile cette passe. Ben, c'est d'ailleurs facile d'anticiper en fait, justement là que le coach normalement peut intervenir. Oui, alors qu'on va avoir les deux points, c'est aussi quand même toute la difficulté d'une équipe. Rabatch qui hésite. Il tient le ballon, retrouve Gavrilovic, mais il y a deux hommes autour de lui. Allez, on donc j'ai dit les attaques de Mons. Un shot en décalage comme ça. Et Tourman qui ne va pas rester le plus longtemps au jeu alors qu'on laisse faire beaucoup trop facilement. Ballon au stand avec Van der Wurst qui utilise l'écran de Bratanovic pour lui-même et marque et remet son équipe devant. Ce sont les extérieurs qui ont replacé au stand devant. Ah, c'est les trois points. On avait allé chercher 10 rebonds offensifs face à l'équipe hollandaise. Bratanovic. Ah oui. Il retrouve Van der Wurst. Ils sont partis avec Bratanovic qui se fait chipper le ballon au dernier moment par Bracton. La superbe passe. Et la vitesse de Min Togo. C'est qu'il y a au-delà de Bratanovic. Zubac, pardon. Oui. Ah oui. Et on va siffler une faute à Bratanovic. Pour déséquilibrer l'adversaire, Van der Wurst. Il donne à l'intérieur pour Pierre-Antoine. Sauve bien son ballon. Ah oui. Et s'il en rate un, il ne rate pas le suivant. Ouais, c'est lui 6 qui secondes, doit... ça traîne. Moore. Belle passe! Oui, oui. Et à la limite de 24 secondes, lui, il est accordé. Alors, on va voir cette pénétration de Moore. Là-bas. Mais on switch. Non, voilà, il est la seule. Création à l'opposé. Rabatch qui va jusqu'au bout et qui marque. Voilà. Van der Wurst qui va jusqu'au bout. Et qui dépose. Cette fois-ci, il le marque, son layup. On est à égalité. Ouvrir une fois. Non. Le rebond, faute. La faute. Et de lancer. La faute. Ok, vous oubliez bien Berk hein, sur le banc aussi. Oui, on n'a plus vu du tout. Hein. Et il fait bien 2 sur 2, il reste 2 secondes 6. À qui donner le ballon? À qui? Bah, il laisse les serveurs. Voilà, Min Togo qui prend le jump shot. Et ce sera fini avant que Ostorp puisse réagir. C'est une vraie surprise ce soir ici.